Bonjour, je m'appelle Julien Schwebel, je suis chirurgien plasticien à Paris et membre de la chaîne de l'Espoir depuis 2009. Lors de la dernière mission, nous avons opéré le jeune Ibrahim. C'est un Malien de 6 ans qui était victime d'un oma assez effroyable. Lorsqu'on l'a vu, il lui manquait quasiment toute la partie moyenne de la face du côté gauche. Et nous avons donc décidé de l'opérer en deux temps pour, dans un premier temps, fermer la bouche. Et dans un deuxième temps, reconstruire le côté latéral du nez. Nous avons donc réalisé un lambeau sous-mental qui nous a permis de recréer une joue et une paroi latérale de la bouche, comme ceci. Là, c'est la photo post-opératoire précoce. Ça, c'est Ibrahim en cours de cicatrisation. Donc, comme vous le voyez, il a récupéré une continence buccale. Il ne reste plus que la partie latérale du nez que nous allons reconstruire lors de la prochaine mission, avec un lambeau que nous prendrons sur son front. Pour l'instant, tout se passe bien, il arrive à parler, il mange bien, et ça permet de délimiter vraiment l'objectif de la prochaine intervention qui sera de fermer le nez et de remonter la paupière. Cet enfant, comme beaucoup de survivants du Noma, était déjà extraordinaire. Il parlait, il souriait, il mangeait, malgré la somme de séquelles fonctionnelles qu'il présentait. Après l'intervention, on espère évidemment améliorer son quotidien, aussi bien au niveau social, avec une esthétique du visage qui est quand même plus acceptable, ainsi qu'au niveau de la phonation, la continence buccale permettant de mieux parler et évidemment de mieux manger.